Une scène de nuit en fait. Le Caire est le quatrième tableau de la série, enfin d'un ensemble sur les révolutions arabes. Le premier étant sur le Mali, le deuxième sur la Tunisie, le troisième sur la Libye et je voulais finir par l'Égypte parce que c'est, à mon sens, la révolution la plus importante et probablement celle qui va générer le plus de chaos et peut-être au final aboutir à un vrai processus sinon démocratique, du moins moderne, on va dire. Il y a beaucoup de points communs avec la Révolution française. Bon, bref, c'était... Et donc, je voulais finir par ce tableau parce que, justement, il fallait avoir pas mal de recul pour pouvoir essayer de traiter et de traiter à la fois de manière formelle et surtout d'un point de vue du sens, en mesurant bien tout ce qu'il s'agissait de pouvoir évoquer ou mettre dedans, sachant que ça semble pas aussi simple d'évoquer l'Égypte, même je pense quand on y pense comme ça, tout à chacun, que lorsqu'on évoque la Tunisie, où il y avait des faits directement très marquants, comme Mohamed Bouazizi, etc., qui permettaient de tirer une iconographie, on va dire, de manière plus simple, pour l'Égypte, qui est à la fois un pays gigantesque et plusieurs fois millénaire, il fallait être capable, c'est ce que j'essayais de faire, de développer un gigantisme formel et une multitude de détails et de points de renvoi et de citations, soit visibles, soit plus discrètes, etc., qui créent une polyphonie de sens, de moments et surtout d'indécision, parce que tous ces tableaux ont pour point commun, et a fortiori d'Égypte, de ne pas
poser de jugement ou de morale, ni dans un sens d'ailleurs, ni dans un autre. Je pense que quand on s'attaque à la peinture d'histoire, ou à l'histoire en général, on n'a absolument aucune légitimité pour le faire. Il n'y a pas de légitimité en peinture, exactement. Il n'y a pas de légitimité face à l'histoire. Ça vaudrait aussi bien pour un Égyptien que pour moi, qui ait des liens avec l'Égypte, peut-être, mais très très lointains, et qui, je pense, ne peuvent pas être mis en avant dans la réalisation d'une œuvre comme ça. Parce que ça pose la question de... Je n'amuserai pas à essayer de définir l'histoire, mais je peux tenter de définir, en fait, peut-être pas définir, mais disons, évoquer ce que peut être et peut-être ce que ne doit pas être une peinture d'histoire. Donc on a des exemples, évidemment, dans l'histoire de la peinture, et jusqu'à nos jours, énormément. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau d'histoire ? C'est avant tout, ça va sembler être une tautologie, mais c'est très important dans la perspective dans laquelle je m'inscris, c'est d'abord un tableau. C'est-à-dire que on peut se draper de conscience, ou de bonne conscience, ou de vision historique. C'est pas pour autant que ça fera une bonne et une grande œuvre d'art. Or, le paradoxe de la peinture d'histoire, c'est que pour qu'elle ait du sens et pour qu'elle reste, en termes historiques, en termes de qu'elle rentre en symbiose avec l'événement, et donc qu'elle reste attachée, quitte à l'évoquer en étant devant l'événement ou à côté, l'exemple de Guernica est fameux dans le sens où le tableau de Picasso est plus célèbre que l'événement, et donc il rend compte de l'événement. Et pour atteindre ça, il faut que le tableau soit avant tout une très grande œuvre. Et cette très grande œuvre-là, elle ne peut se faire qu'avec des moyens qui sont propres à la peinture, à sa forme et à la puissance développée ou aux intentions qu'il y a derrière. Donc j'ai toujours eu en tête le paradoxe qu'il y avait à faire de la peinture d'histoire, qui est le suivant, il faut d'abord faire un très bon tableau. Et donc c'est une entreprise paradoxale parce qu'à la fois elle est destinée et elle provient d'un événement et en même temps elle est totalement auto-centrée puisqu'il faut avant tout que ce soit une grande œuvre et c'est toujours quelqu'un qui fait une œuvre, en l'occurrence pour celle-ci moi. Donc c'est aussi un processus sino-mégalomaniaque, du moins très égocentré. Et c'est ce paradoxe-là qui à la fois m'intéresse énormément et qu'évidemment, il s'agit de réussir. Et c'est pas forcément évident. Le futur dira si je me suis planté ou pas. Certains ont réussi, d'autres se sont plantés.
Là c'est pas mal,